Jennifer vient de mettre au monde Nelio il y a tout juste quelques heures. Cette jeune maman était déjà venue accoucher de son premier enfant, ici, à l'hôpital d'Argenteuil, il y a moins de 2 ans. Et elle voit vraiment la différence avec les locaux qu'elle a connus par le passé. C'est déjà mieux quand on arrive, déjà, parce que c'est vrai que les anciens locaux étaient quand même abîmés, assez vétustes. Hein. Donc ça faisait vraiment ancien quand on arrivait. Donc là, c'est quand même plus agréable déjà d'accoucher et d'être suivie dans un endroit qui est propre, mieux aménagé, plus grand. Après 18 mois de travaux engagés en mai 2015, le secteur accouchement affiche un nouveau visage depuis le mois de septembre, montant de l'opération près de 2 millions d'euros. Mais plus qu'un rafraîchissement, l'hôpital d'Argenteuil a surtout souhaité agrandir son secteur accouchement. Le nombre de salles de naissance a doublé, passant de 4 à 8. Les salles de pré-travail également, avec 4 au total à présent. Alors je vous présente une de nos nouvelles salles d'accouchement, où on peut prendre en charge la maman et le bébé. Donc il y a tout ce qui concerne la surveillance de la maman et du bébé. Et ensuite, à la naissance, que nous n'avions pas autrefois, on peut s'occuper du bébé qui va bien à côté de la maman. Donc le bébé reste toujours auprès de sa maman. Objectif, avoir des locaux mieux dimensionnés aux 3200 naissances enregistrées chaque année. Un confort amélioré pour les parents, mais aussi pour le personnel dont le nombre, lui, n'a pas changé. Autrefois, on avait un turnover important. On était tout le temps obligé de déplacer les patientes d'une salle à l'autre pour garder leur intimité, pour qu'elles soient au mieux. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, elles sont du début à la fin dans une salle d'accouchement. Et elles gardent leur intimité. Pour le personnel, c'est beaucoup mieux aussi, puisqu'on a la patiente qui ne bouge plus et qui reste à un endroit fixe. Autre nouveauté, les urgences gynécologiques ont été rattachées au secteur accouchement. L'hôpital d'Argenteuil a souhaité concentrer en un même lieu la prise en charge des différentes pathologies de la femme, qu'elles soient liées à une grossesse ou non.